Ça, c'est de la bonne question. Vous préférez celle d'Ardisson pour finir? Ça, c'est de la bonne. Bon, alors celle d'Ardisson. Ouais. Allez. Vous avez déjà fait payer un autographe? Ah, intéressant ça. Si j'ai déjà fait payer un autographe, ouais. Non, moi non, mais mon fils, ouais. Non, c'est ouais. Pas vrai. Racontez-nous ça. Ouais. Il s'est fait de l'argent. On, ouais, on est incroyable. On était quand on était en bateau, on préparait le bateau pour le, une traversée à Toulon, et moi je bricolais le bateau, je nettoyais, j'étais au fond. Il y avait des gens qui étaient sur le bord qui demandaient des autographes. J'ai dit c'est un franc. Non, si. Il était petit, il avait 6 ans. Il dit c'est un franc. Il vous a rapporté combien au final? Il les a gardés pour lui, je l'ai félicité. Bah, bravo mon fils, tu as tout compris au business. Et alors c'est vrai que... Il faut les éduquer tôt. Et donc vous ne l'avez même pas stoppé hein, quand vous avez aperçu. Non, après oui. Il dit papa j'ai gagné 5 francs. Ah bah il tenait la caisse, il était ravi Thierry Lhermitte, évidemment. Ah non, c'est très et alors c'est vrai que votre fille vous avait demandé un autographe de Jean-Baptiste Monnier des choristes. Oui, j'ai jamais demandé d'autographe de ma vie sauf à Jean-Baptiste Monnier pour ma fille. Et vous avez dit quoi votre fille? Ben, c'est elle qui m'a dit, tu vas voir Jean-Baptiste Monnier. Elle a même rajouté, ouais, je crois, tu as de la chance de connaître des gens célèbres. Exactement. Exactement. Et donc, j'ai demandé un autographe.